Bonjour à chacun, chacune d'entre vous. On se retrouve pour clôturer cette année 2021. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, ce sera du plaisir et du bonheur de laisser cette année derrière soi et d'aller enfin vers euh, l'année 2022 qui promet quand même d'être plus légère. Alors, je vais euh, accueillir là les lions. Avec un grand, grand plaisir, et puis euh, vous expliquer un petit peu comment j'ai organisé les choses au niveau du tirage et surtout la question que j'ai posée, puisque euh, j'ai demandé comment amorcer finalement ce changement euh, et pouvoir aller donc maintenant vers 2022, se préparer finalement pour accueillir ce qui va venir de nouveau. Alors, en dos de deck, déjà, j'ai eu un très joli degré, on est sur du feu. Alors retenez une chose, déjà l'ancrage. Retenez aussi avec le valet que, euh, puisque c'est une énergie jeune, pour moi, il y a l'idée d'un potentiel qui a été accumulé, qui va demander à sortir, se, se mettre en œuvre. Et puis, euh, peut-être le besoin de, de rechercher aussi beaucoup plus de simplicité. D'avancer en fait dans la, la, la direction que vous avez choisie, qui vous correspond, sans se poser trop trop de questions, parce qu'ici on est sur une énergie qui est très naturelle, une énergie qu'on peut appeler animale, c'est-à-dire aller rechercher de toute façon ce que vous aurez au fond des tripes. Parce qu'en fait, l'idée avec ce valet de feu, c'est d'arriver à faire sortir à exploser quelque chose. Euh, vous avez d'ailleurs euh, plusieurs cartes de feu très intéressantes dans le tirage. De toute façon, euh, grande connexion avec soi, grande connexion avec ses émotions, et vous allez voir au niveau du monde émotionnel, c'est super intéressant. Euh, travaillez avec votre intuition, soyez... Euh, et accordez-vous des plages en fait où euh, vous opérez vraiment ce retour vers vous, cette connexion. Il y a le côté très enthousiaste de ce personnage que je trouve euh, très beau aussi. On a besoin de se reconnecter à ça. Euh, il y a du dynamisme également. Alors le dynamisme, c'est pas forcément dans une action débridée. C'est aussi une manière de voir la vie où finalement, quand on se lève le matin, on est heureux de se lever. Euh, L'idée, c'est de toute façon d'aller trouver vraiment votre, votre place et puis euh, d'être heureux d'aller s'aventurer sur d'autres maintenant euh, d'autres chemins qui sont euh, très certainement moins conventionnels voilà euh, donc vous voyez au niveau de la, de la préparation vous pouvez faire de la projection si vous pouvez faire sur 2022 euh, si vous avez une chose à retenir c'est je vais assumer mes passions pleinement totalement etc alors justement je commence au niveau maintenant émotionnel et au niveau émotionnel j'ai donc trois cartes qui sont le magicien, l'as d'eau et le cis d'eau. Donc, bah, ça tombe bien. Euh, L'eau, de toute façon, vous le savez, c'est le monde émotionnel. Et puis, je commence donc par ce magicien. Ça, euh, bon, comme tous les as, c'est d'abord un espèce de potentiel, un concentré, une essence de quelque chose, et qui euh, demande, à mon avis, de se reconnecter à l'enfant intérieur. Et puis, euh, à ce qui nous dépasse aussi, l'enfant intérieur d'abord, parce que euh, c'est lui qui euh, possède ce côté justement peu conventionnel, un peu fantasque, un peu rêveur, un peu imaginatif. Euh, pour certains d'entre vous, c'est peut-être un challenge cette fois-ci, et peut-être l'envie de réaliser quelque chose qui, que vous aviez au fond de vous depuis très très longtemps. Vous savez, il y a des fois, on se reconnecte à des idées qu'on avait dans l'enfance, dans l'adolescence, etc. Euh, on retrouve des lubies qu'on pouvait avoir et on se dit Mais en fait, c'est incroyable parce que je portais déjà ça en moi à ce moment-là. Et bien, c'est un petit peu cette idée-là. Euh, parce que, alors, ça, ça, ça nous reconnecte à un désir de vivre qui est absolument phénoménal. Donc, dans votre monde émotionnel, il y a sur ce mois de décembre des choses à aller puiser, à laisser émerger et c'est pour ça que vous avez besoin de passer du temps avec vous. D'autant plus, et c'est amplifié avec l'as d'eau, euh, d'abord parce qu'on retombe sur une carte d'as, donc toujours ce potentiel, mais cette carte nous parle de se reconnecter au plaisir de la vie. Donc d'être euh, mû beaucoup par euh, ses désirs, par euh, la joie, la joie de vivre. Et donc euh, pour ça, à mon avis, il y a besoin de ressentir deux choses. Il y a besoin de ressentir d'abord qu'on est à sa place. Et puis l'autre chose, c'est aussi euh, euh, d'être dans une profonde, profonde réconciliation. Et je crois que quand on, on va... Euh, J'aime pas ce mot travailler, mais quand on va euh, se connecter euh, puissamment avec ses émotions, sans chercher à les, à les renier, sans chercher à les juger, sans chercher à en faire forcément quelque chose, elles sont là. Eh bien... Euh, ça développe d'abord une acceptation de nous-mêmes qui est absolument extraordinaire. Et puis, euh, et puis pour moi, c'est un terreau extrêmement fertile pour, euh, pour décoller, pour aller vraiment vers quelque chose. Euh, en tout cas, trouver le carburant pour se mettre en, 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 en marche. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce tirage, c'est que je finis avec le 6 d'eau. Et le 6, c'est une carte d'équilibre. D'abord, le 6, c'est l'année 2022 vers laquelle nous allons. Et euh, j'adore ce degré-là parce que c'est un degré d'harmonie et d'équilibre. Ce qu'on est en train de dire dans ce tirage, c'est que si vous, vous vous reconnectez à ça, vous allez retrouver cette harmonie et cet équilibre intérieur, cette espèce de douceur. Cette, cette carte-là, elle est exceptionnelle parce que c'est cette capacité qu'on a d'exprimer sa beauté intérieure et toute sa sensibilité, devenir sensible à soi-même. J'adore ça. Euh, J'avais entendu un jour une définition de l'amour et je ne sais plus qui l'avait dit. Euh, aimer, c'est être sensible à la sensibilité de l'autre. Et je trouve que c'est une définition magnifique. Et bien, être sensible à sa propre sensibilité, je trouve ça, je trouve ça très beau. Alors, après, au niveau, euh, cette fois-ci, de euh, plus votre appréhension mentale de tout ça, psychique, etc., et probablement de votre réaction justement j'ai le 2 de feu alors très intéressant parce que d'abord on retrouve le, 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 le bâton donc toujours le, le côté euh, euh, tout ce qui se passe justement dans les chakras d'ancrage et qui va qui, qui est c'est extrêmement puissant parce que ça part du corps ça part de, de, de euh, d'un endroit, en fait, qui nous dépasse. Moi, j'adore fonctionner avec ces choses-là. Il y a... Euh, vous savez, comme on a deux cerveaux, hein, la tête et le, et, et, le, et le ventre, eh bien, euh, on peut à la fois se connecter, euh, oui, à ce qui nous dépasse, à notre âme, mais on peut se connecter aussi à un savoir extrêmement corporel. Et ça, ça nous ouvre, en fait, des portes. Le 2, c'est une réouverture. J'envisage d'autres choses. Et là... Euh, c'est comme si euh, vous décidiez de réfléchir vraiment à ce que vous souhaitez mettre en œuvre avant d'entreprendre. C'est la possibilité d'avoir une vision. C'est la possibilité de, de commencer à, à structurer déjà dans sa tête les choses, de se laisser en fait euh, ouvrir une porte et de commencer à en parler, de commencer à à vibrer ça à l'extérieur et là vous avez deux arcanes majeurs c'est énorme l'impératrice et la roue de fortune l'impératrice alors elle elle a une justement une puissance de vie extraordinaire elle est elle arrive à se structurer moi j'ai l'impression que ce qu'on nous dit c'est qu'en fait il y a, a peut-être une idée qui se structure et que euh, c'est euh, alors ce qu'on appelle l'élargissement de conscience, pour moi, c'est le fait de se reconnecter à sa vibration de naissance. Pour ceux qui suivent un petit peu les vidéos sur les indigos, euh, vous savez de quoi je parle. Indigo que je vais appeler inclassable maintenant. Eh bien, euh, les inclassables, ils sont très très forts pour, euh, pour se désaligner. Ils ont besoin de faire attention à ça. Euh, et quand ils sont alignés, en revanche, ils ont une puissance, ils arrivent à exprimer une puissance extraordinaire. Le fait que ce soit l'impératrice, ce qu'on me dit, c'est que ça y est, ça s'exprime, c'est-à-dire ça peut sortir. Et, euh, et ben forcément, à ce moment-là, vous activez des choses complètement différentes. Pourquoi Parce que la route fortune, c'est le fait d'assumer sa singularité qui fait qu'on arrive à actionner certaines choses, et que par un mécanisme d'alchimie de, de la vie, la vie, elle a, elle a cette, euh, cette magie de répondre quasiment au doigt et à l'œil quand nous, on est prêt Eh bien, c'est ce que nous dit la haute fortune, et c'est donc un nouveau cycle qui, qui se prépare, puisqu'on est sur un degré 10 et que ça repart. Et, je vais maintenant sur donc euh, ce troisième tas, alors je vais pousser un petit peu mes cartes, ça va... M'aider. J'ai l'ermite, le deux de terre et la reine d'air. Ça, c'est plus maintenant au niveau professionnel. Qu'est-ce qui se passe L'ermite, c'est celui qui est capable de repartir avec euh, toute son expérience acquise et de re retourner vers d'autres chemins. On est là sur. Euh, J'ai clôturé quelque chose. Je suis en train de euh, terminer un cycle euh, et. Concrètement au niveau professionnel, en fait, euh, j'ai cette conscience là de toute façon. Je le sais, c'est aussi toute ma sagesse, mais je peux devenir cette fois-ci euh, mon guide et mon meilleur conseiller. Donc ça veut dire que oui, bel et bien, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui euh, bouge, qui, euh, qui se prépare et que vous pourriez justement euh, avec ce 2 de terre euh, commencer à formaliser. On est donc dans euh, le côté denier. C'est le fait d'apprendre à prioriser, le fait de s'adapter. C'est tout ce qui va représenter la gestion des énergies aussi. Donc si je sais gérer les énergies, euh, pour moi, il y a déjà des choses qui commencent à se mettre en place. Parce que, et avec cette carte, en fait, euh, pour moi, on maîtrise son sujet très clairement. Et donc, il y a l'idée de reprendre le contrôle de votre vie. Que je, je, avec tout ce qu'on a dit avant, c'est relativement logique. Euh, on est aussi dans une ouverture parce qu'on retrouve la notion de deux, c'est-à-dire, ah, ça y est, à chaque, je, je, je réenvisage les choses, mais cette fois-ci vraiment dans la matière. Et je finis avec cette reine d'air. Pour moi, euh, la plus perspicace du jeu, je dirais. Elle a une espèce d'acuité extraordinaire. Elle sait mettre justement à distance ses émotions, cette reine. Et peut-être que dans votre travail, une fois que vous avez bien baigné dedans, que vous êtes nourri avec votre âme d'enfant, avec votre désir de vivre, etc., eh bien, c'est pas mal d'avoir ce personnage qui arrive dans le côté très, beaucoup plus pragmatique, finalement. Euh, là, en fait, euh, peut-être, le, le, quand je vous disais que ça se structurait ici, ici, c'est la possibilité de, de mettre sur le papier de comment, comment est-ce que je peux vous dire ça? j'arrive pas à trouver le, le, le bon mot. Euh, c'est au travers finalement de ce que vous avez réalisé à l'intérieur de vous que vous pouvez euh, envisager toute la mise en œuvre. voilà, c'est ça, c'est que dans votre tête tout devient possible. pour moi, euh, là, il y a une espèce d'objectivité qui arrive et qui fait que euh, vous savez organiser. l'organisation, le peut-être aussi vous vous projetez, vous arrivez à visualiser les choses parce que chez cette femme, il y a un côté visionnaire aussi. on est dans l'épée. donc... Euh, euh, elle sait aussi se servir de son intuition, mais c'est vraiment au service d'une magnifique intelligence. Donc j'ai l'impression que ça, ça bouge au niveau professionnel, vous avancez vers certaines choses. Et puis alors, au niveau des énergies extérieures, comment est-ce qu'on vous aide pour tout ça ben, J'ai encore deux arcanes majeures, c'est énorme. J'ai la tour, la reine de feu et le fou. La reine de feu, pour moi, c'est ce qui représente le mieux le lion. Et je vais peut-être commencer par elle. La reine de feu, c'est pour elle que l'on dit, elle fait refleurir des déserts. C'est-à-dire euh, toutes les zones de nos vies où c'est devenu sec. Et c'est vraiment l'eau de la vie, justement. Vous savez que dans l'émotion, vous aviez deux cartes d'eau pour le monde émotionnel. Pour moi, oui, c'est comme si il y avait euh, un flux. Qui réapparaissait et qui vous. Qui, qui permettait à cette terre qui pour l'instant était en jachère, qui ne pouvait, sur laquelle rien ne pouvait pousser, cette fois-ci, on y va. Et c'est une femme qui assume énormément sa singularité justement et son originalité. Elle a un grand charisme. Donc vous êtes entouré par la tour et le fou des deux côtés. La tour, c'est parce que finalement, on vous fait expérimenter certaines choses qu'il y a une sortie d'enfermement. Alors ça peut passer par des choses qui parfois sont relativement anecdotiques, parfois des événements beaucoup plus remuants, mais euh, là où peut-être c'était encore, en, enfin ça bouillonnait un peu à l'intérieur de vous, où il y avait des blocages, où il y avait, euh, euh, vous, ne, vous ne voyez à, à certaines situations que des empêchements, et bien cette fois-ci en fait, vous êtes expulsé en fait en dehors de la tour. Le résultat, c'est quand on a pu toutes ces barrières et ces protections, ben effectivement, on arrive à être soi-même. Ça, c'est relativement logique. Alors, l'autre chose que je peux vous dire avec cette carte, pour moi, un besoin d'écouter de, de <laughs> profondément justement votre monde émotionnel et tous vos sentiments, parce que c'est par eux que vous allez éclairer certaines choses à l'intérieur de vous. Et réussir à transformer ce qui doit être transformé. Je précise une chose, on ne doit jamais se transformer soi. Ce qu'on doit transformer, ce sont certains comportements qui, qui sont des empêchements. C'est tout. Donc en fait, cette carte, elle finit par éclairer les choses qui étaient cachées. Et je trouve ça, euh, pour moi, c'est une carte qui, qui est aussi, qui signe une libération intérieure très forte. Euh, donc, on a parlé de la reine de feu, et puis après, je vais vers le fou. Ben, voilà. Enfin, même si vous n'êtes pas euh, férus et que vous ne connaissez pas bien les significations des cartes, vous voyez bien que ce fou, c'est euh, l'aventurier, c'est celui qui est capable de euh, repartir avec euh, justement l'enthousiasme, en ayant dépassé ses peurs. Euh, et, je pense que c'est l'attitude qu'on nous demande de toute façon d'avoir tous face à la vie en tout temps. C'est pour ça que le fou normalement n'a pas de numéro et ça j'y tiens aussi beaucoup. Parce que quel que soit le stade auquel on est dans la vie, le fou il peut, il peut revenir. Vous avez le fou c'est aussi le fou du roi. C'est celui qui remet de l'humour, qui remet un, un, un regard décalé sur les choses. Et, et donc, qui remet de la vie, qui. Euh, et le fou peut dire énormément de choses aussi euh, extrêmement pertinentes au travers de l'humour. Je vous dirais aussi tout cet humour, ce, ce le fait de, de se situer par rapport à soi-même euh, différemment. J'aime bien l'idée aussi de se regarder vivre de temps en temps, ou de, de se regarder penser, pas vivre, mais penser, et de se dire, mais. Est-ce que vraiment je tiens un cert... encore à certains de mes raisonnements? Est-ce que vraiment c'est? Est-ce que justement ce ne sont pas des choses qui continuent à m'enfermer? Euh, voilà. Quand on arrive à la carte du fou, c'est fini ça, c'est terminé. Donc euh, vous avez un très très beau tirage vraiment. Ça fait énormément d'arcanes majeurs. J'avais pas réalisé euh, à quel point parce que vous avez la moitié de votre jeu. Et donc euh, pour moi l'impulsion là pour préparer 2022. C'est une impulsion très belle, très très belle, impulsion de jeunesse, impulsion d'ancrage. Travaillez aussi votre ancrage. Euh, regardez si vous avez bien les chakras d'ancrage, bien, comment, qui fonctionnent bien. Et puis, euh, et puis ben, pour tous ceux qui sont inclassables, euh, faites attention aussi à votre alignement. C'est important. Alors, je vais découvrir les petites cartes ici. Alors, la première, j'ai la guerrière. Bon, voilà. La guerrière qui nous dit Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous J'adore, j'adore. Ben oui. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous Alors, ça, je pense que c'est peut-être la bonne question à vous poser sur euh, ce mois de décembre. Euh, parce que du coup, en fait, quand on enlève ça, on retrouve sa puissance. À l'image de l'épée, c'est extrêmement bien vu. Euh, on retrouve sa verticalité. Et ben, on avance, quoi. Alors derrière, j'ai demandé aussi, je voulais voir un peu au niveau de la lune, et avec euh, comment euh, l'oracle de la lune, j'ai eu commencement. Voilà, on est sur une nouvelle lune. Alors c'est passionnant. Moi, la nouvelle lune, c'est en hébreu ce qu'on appelle les roches c'est quoi C'est le renouvellement, euh, c'est la tête en fait, la tête des mois. Mais euh, étant donné le, le, comment fonctionne l'hébreu, euh, c'est la tête du renouveau. Ouais. On peut le traduire aussi comme ça. La tête du renouveau. C'est incroyable parce que ça veut dire que c'est le début d'un du, redémarrage. Quoi. <laughs> euh, pour moi, vous prenez de l'avance sur 2022 et vous pouvez vraiment voir les choses de cette manière. Et alors Et alors Donc vous voyez, ce sont des belles confirmations. J'ai la carte de l'élément O. Vous avez énormément appuisé, beaucoup appuisé. Peut-être vous pouvez penser aussi à boire en conscience. Vous savez que l'eau pour le corps, c'est extraordinaire. Euh, quand on le fait en conscience, c'est encore mieux. Ça nettoie, ça lave, ça fluidifie, ça aide à, à, à faire circuler. Euh, l'eau c'est doux. Et en même temps, c'est extrêmement puissant quand vous voyez ce que, comment ça peut faire sur de la pierre moi, le, le conseil que je vous donne avec ce, cette carte, c'est euh, plonger dans vos émotions. j'allais dire aussi plonger dans un bain de temps en temps. <laughs> voilà, même si c'est moins écologique, mais de temps en temps ça fait beaucoup de bien. Euh, et puis, à l'image de l'eau, en fait, c'est cette fluidité, c'est se faire beaucoup plus souple. Euh, je crois qu'on a, on a besoin d'apprendre ça, surtout vis-à-vis -vis de soi-même. Euh, voilà, mais sous toutes ces formes, essayez d'explorer tout ce à quoi ça fait appel pour vous et, euh, et, et utilisez cet élément-là. Et puis alors, je finis, j'ai pris une petite carte de l'hiver, plus une carte conseil, qui vous dit Seul le présent existe, le passé n'existe plus et le futur pas encore. Je savoure pleinement l'instant de vie. Voilà. Et c'est vrai que euh, avec tout ce que j'ai dit, se reconnecter à l'âme d'enfance, euh, retrouver cette spontanéité, euh, être ce valet de feu, ça nécessite ça. Donc effectivement, de faire un peu taire le mental, d'arriver euh, finalement euh, à, comme je le dis souvent, à se fiche la paix. Et puis euh, pour laisser émerger en fait quelque chose qui vous dépasse très clairement mais que vous portez en vous en revanche. Voilà ce que je peux vous dire sur votre mois de décembre, vous préparez et vous vous préparez, je sais pas, je ferai des très gros tirages pour euh, l'année 2022 pour que chacun puisse avoir un maximum de euh, renseignements sur son année, mais là pour moi c'est comme un tremplin. Voilà. Donc euh, je vous remercie beaucoup de votre attention. Vous avez plein d'informations en description sur la vidéo, <coughs> sous la vidéo, pardon, soit pour soutenir la chaîne, soit pour aller voir les formations qui sont euh, sur Sephiroth et compagnie. N'hésitez pas à aller euh, visiter. Je vous remercie d'avance pour euh, ceux qui justement euh, font ces gestes-là, qui me permettent aussi d'avoir une chaîne sans publicité et, euh, et de me soutenir dans mon travail. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et on se retrouve eh bien très vite bye bye